Salut les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se prend une toute nouvelle vidéo donc vraiment c'est vraiment une très très bonne astuce Kama donc elle va vous rapporter des millions mais genre en 30 minutes vous pouvez vous faire des millions de Kama mais vous allez voir donc déjà cette astuce nécessite pas d'être abonné donc c'est vraiment ça le point fort et c'est vraiment une des meilleures astuces même pour les abonnés. Vous pouvez la faire à tout level, il n'y a aucun requis. Donc déjà, il va falloir vous créer en tout 8 comptes. Donc normalement, vous avez déjà un compte principal si vous regardez cette vidéo, je pense. Donc créez-vous 7 autres comptes. Donc moi, je me suis fait 7 énus. Donc qui sont la caractéristique de dropper. Donc mettez vos 7 comptes à gauche. Donc si vous avez un ordi assez récent, vous prenez la barre comme moi et vous la mettez à gauche. Et ça va mettre le compte. Vous voyez, regardez. Il est comme ça, vous faites comme ça, et ça le met dans la moitié de la partie gauche pour les 7 comptes, pour mes 7 énus. Donc, cette astuce va consister à aller en fait au métier chasseur. Donc, vous allez devoir, avec vos énus, parler à Hunter X Hunter qui se trouve en 2,24 dans la forêt d'Astrub. Et accepter le défi, et vous faut lancer le combat. Donc comme vous voyez, donc là j'ai lancé le combat, donc on va faire ce combat quand même avec vous. Donc c'est assez chaud, donc ne rejoignez surtout pas avec vos autres comptes, puisque en fait tout simplement si vous rejoignez avec vos autres comptes, la quête ne va pas compter. Et vous allez devoir la refaire. Donc c'est légèrement, c'est simple, hein. Surtout que c'est un bouffetou, donc vous éloignez et vous gérez. Donc vous allez devoir faire ça quand même avec vos avec tous vos comptes, c'est ça qui est un peu chiant. Donc ces persos vont vraiment, il va falloir passer avec eux. Donc ouais, je finis le combat. Donc vous parlez à Enterix, évoquez des fidgeteurs, montrez la cuisse du bouffetou. Et là vous avez appris le métier de chasseur. Donc ensuite, il va falloir faire acheter-vendre. Donc moi je vais acheter les 7, ce que je vais pas mettre parce que je suis déjà full métier avec mon Feka. Donc il va vous allez acheter par exemple cette arme de chasse. Donc on va acheter ça aussi. Donc moi pour éviter de faire échange, parce que c'est beaucoup plus long, je vais le mettre tout par terre. Comme ça ils auront plus qu'à ramasser. Bon. Au pire s'il y a quelqu'un, donc ça encore ça coûte un kama, donc c'est pas grave. Mais bon, ça si vous n'avez pas vraiment énormément de kama, ça coûte 1000 kama. Donc au pire ne jetez pas par terre si vous n'avez pas énormément de kama. Donc je vais tout récolter et après on va se retrouver au point de drop. À tout de suite. Allez, tout de suite les gens. Donc voilà, donc on est au point de drop. Donc je vais quand même vous donner avant une petite astuce pour aller plus vite. Donc j'avais déjà donné dans certaines vidéos. Donc faites Alt Échappe, donc mettez tous vos persos mules qui drop à gauche. Vous faites Alt Échappe et ça vous permet. Attendez. Et ça vous permet de changer le compte. Donc vous voyez en haut à gauche, ça vous permet de changer le compte très rapidement. Et ça vous évite à chaque fois devoir cliquer là et le remettre. Ça va beaucoup plus rapidement de faire ça, sauf en combat. Si vous êtes dans une map éloignée, ne le faites pas. Donc n'oubliez surtout pas de faire avec tous vos persos la quête du chasseur. Équipez-vous le couteau de chasse. Donc ça c'est pas utile de l'augmenter. Au pire, augmentez la chance, vous aurez plus de chances de drop. Donc on va directement lancer le combat. Donc un petit combat avec 4 tofus. Je pense qu'on va drop environ 4 petits filets d'oiseaux. Donc attendez, enfin 4 viandes d'oiseaux. Donc je tiens à préciser quand même que ça coûte dans les 400 000. Ça coûte 350 000. Donc je vous montrerai en fin de vidéo. Ça coûte 350 000 les 100 viandes d'oiseaux. Donc vous les droppez vraiment très rapidement. Donc 3, 4, 5, 6. Il y a tous mes persos. Donc attendez, il faut. Donc là c'est vraiment parfait. Le combat va pas durer plus de. Ok. Voilà. Donc le combat va pas durer plus de 30 secondes, vous allez voir, si vous avez un perso comme ça, comme le mien, qui peut enchaîner les combats. Donc voilà, donc 3 cases, ça, hop. Hop. Et on finit le combat. Mais le combat est déjà fini en... Ben on va voir combien de temps il a duré. Il a duré 20 secondes et vous voyez le drop. Donc, il y a vraiment un beau drop. Donc, en plus, vous pouvez aussi avoir la chair d'insecte. Donc, on va directement faire le calcul combien on a drop.
de viande d'oiseau. Sachant que les 10 coûtent 35 000 kamas, c'est vraiment une énorme astuce. Donc 2 plus 3 plus 2. Donc la qualité du drop dépend vraiment de votre chance. Donc là, vous voyez 4 viandes et à chaque fois 2 environ. Donc vous pouvez drop 4 sur tous, ça vous fera beaucoup plus de bénéfices. Mais il faut avoir de la chance. Donc plus 4, plus 2, plus 2, plus 2. Ça fait 17. Sachant qu'aussi il y a 3 chairs d'insectes qui coûtent 330 000 aussi les 100. Donc vous voyez, en 20 secondes, on a drop 17 viandes d'oiseaux, ce qui est vraiment énorme puisque les 20 coûtent 70 000 kamas. Donc voilà, donc là j'ai trouvé un deuxième combat, donc surtout faites attention. Donc vous voyez, là il y a même personne, donc attendez, je vois en haut à gauche le nom d'Opi, donc je fais défier. Donc faites bien ça. Là vous voyez que la map est petite. Donc quand vous voyez bien que la map est petite, parce qu'il vous faut quand même un perso en zone, c'est vraiment pas dur d'avoir un perso en zone. Vous faites un Sadeda, vous montez je crois level 50 ou 36 pour avoir la ronce multiple et franchement ça peut aller très vite les combats. Donc là on va directement commencer ce combat. Donc on va quand même placer mon perso devant. Hop. Donc voilà, donc là c'est Doopy qui gêne un peu la ligne de vue. Donc on va l'enlever, on va le mettre là. Il y a aussi Doopy. Donc ouais, je les ai tous appelés pareil, hein, je me suis pas embêté. Ok. Donc c'est parfait. Donc voilà, donc là on va placer la glyphe directement. Donc bon, il y aura un seul. Puis je le finirai tour d'après. Donc téléporter. Voilà, donc là on a plus que la larve orange à tuer. Donc je dois repasser avec tous les cons. Ah mince. Voilà, donc attendez. Ah ben, il y avait un châle, je n'ai pas fait le châle. Hop, hop. Ok. Donc oui, donc si vous avez par exemple 3 tofu et que vous voyez que la map est assez grande, qui sont un peu éparpillés de partout, ne faites surtout pas le combat. Enfin, je vous conseille pas parce que vous allez mettre du temps, parce qu'à chaque fois il faudra passer avec ces persos et c'est ça qui va être énervant et qui va un peu vous gâcher le combat. Donc, allez, on va le finir. Voilà, donc malheureusement j'ai pas fait le châle, j'y ai pas pensé. Bon, il va quand même avoir du drop. Donc vous voyez. Donc lui il a rien drop. Bon après vous avez toujours aussi les plumes, les graines et tout. Après ça vaut 40 000 kamas les 100 les plumes. Ça peut vraiment aussi vous faire pas mal de kamas. Donc encore des viandes d'oiseaux. Donc là 7, 9, 10, 12, 13 viandes d'oiseaux. Donc on va pas enchaîner les combats, je pense que vous avez compris. En plus sans châle. Donc avec châle on drop environ 20 cuisses. Donc vous allez directement voir le drop. Donc vous voyez bien que je ne suis pas abonné. Oui, donc on va directement se rendre au boucher chasseur. Donc vous voyez bien que je ne suis pas abonné puisqu'il y a l'icône abonnement. Donc si on clique, ils vont me proposer de m'abonner. Donc voilà. Donc maintenant, vous voyez les viandes d'oiseaux 320 000 kamas les 100. Soit 24 000 et 10, donc ce qui vous permet vraiment de vous stuffer, mais vraiment très rapidement. Vous voyez que en deux combats qui ont duré chacun 30 secondes, on a droppé 30 cuisses, soit 100 000 kamas en 1 minute, ce qui est vraiment énorme. On droppe aussi des chairs d'insectes, donc qui valent moins cher. Les chairs de larves, qui font quand même 400 000, 390 000 kamas les 100. Donc je trouve franchement, je vous conseille vraiment de faire cette astuce si vous ne savez pas comment vous faire des kamas ou quoi. Donc vous allez voir le drop aussi, ils servent à augmenter des familiers. Vous pouvez faire des pains aussi avec, donc qui sont achetés, hein, ça, vous voyez le craft qui est vraiment, qui coûte vraiment pas cher pour faire ce pain. Et ils servent aussi à augmenter le métier chasseur, donc les gens l'achètent qui ont beaucoup de kamas et stuff directement tout leur, enfin. Directement leur métier de chasseur au level 100. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Donc n'hésitez vraiment pas à laisser un like et à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Dites en commentaire aussi quelle vidéo vous voulez avoir dans de prochaines vidéos. Si vous voulez encore d'autres astuces pour les non-abonnés,
des astuces full drop comme celle-ci. Si vous voulez d'autres let's play que je commence dans un autre serveur avec absolument rien et que j'essaye de me faire jusqu'à 20 millions de kama, bon ça prendra un peu de temps mais j'essaierai de vous sortir. Si vous voulez d'autres pardon, si vous voulez d'autres astuces sur le serveur héroïque, dites-le moi franchement. Donc allez, ciao ciao les gens.